petite porte, on va dire, pour essayer de gagner tant de jeux en 14, et au final, tout allait très vite. J'ai rapidement joué, j'ai appris sur des coachs, j'ai enchaîné. Ensuite, la confiance morale, physique est arrivée et j'ai enchaîné les matchs. Et après, tout a été pour moi avec un stage à Marcoussis pour le match de l'Écosse, même s'il n'y a pas eu, c'était quand même un honneur de monter à Marcoussis. Il y avait quand même une grande marche entre la Pro E2 et la 14, mais j'ai su quand même rapidement la franchir, notamment avec le fait d'enchaîner les matchs qui ont permis de prendre rapidement le niveau de 14. J'imaginais quand même que Cass c'était un club comme ça, mais je pensais pas autant par rapport on va dire, aux valeurs d'un club pro aujourd'hui et d'un effectif de top 14. Je pensais pas autant quand même que ce soit vraiment aussi convivial et chaleureux ce club. Enfin, ce groupe il est quand même génial parce qu'il va sur différents horizons, mais tout le monde garde le même fil rouge, quoi. Ça qui est énorme. Il y a des mecs qui sont vraiment nature, des mecs qui sont un peu on va dire, stadins, tout ça, mais tout le monde, quand il y a une soirée, tout le monde est ensemble, on parle toujours de la même chose, ça, alors qu'on est des horizons différents, mais c'est ça qui est top, quoi, ici. On parlait de tout et de rien, ici, c'est vraiment. Mais on garde un fil rouge ensemble, on est toujours avec une cohérence entre nous, quoi. Malgré la situation compliquée, ouais, j'ai senti quand même la confiance des supporters. Par rapport à certaines vidéos qu'ils ont fait, par rapport au fait que quand on marchait le samedi matin, on sent qu'ils sont heureux de nous voir, on sent qu'il y a quelque chose derrière nous, malgré la situation. Et moi, il me tarde quand même de jouer sur Pierre Fabre avec le stade à guichet fermé, au moins bien rempli pour voir cette ferveur qu'il y a réellement. Mais j'ai pu commencer à la voir sur l'arrivée du match contre Toulon, qui était quand même magnifique, parce que moi, je n'ai jamais connu ça. C'est très beau et il n'y a rien de mieux pour commencer un match. Non, juste après le match, c'est vraiment très très triste. Mais quand on regarde la saison entière, on est quand même très heureux. En tout cas, personnellement, je suis très heureux d'avoir fini à cette place-là. Parce que faut pas oublier d'où on vient en début de saison. Et on finit l'année sur des bonnes notes au moins. Et ça, c'est valorisant. Il faut garder pour rattaquer la saison prochaine. Mais voilà, quand même, en conclusion, même si on en parle entre nous, c'est quand même bien de finir là, d'être qualifié pour la Champions League l'année prochaine. Et d'avoir quand même des points forts pour repartir sur la saison prochaine. D'être dans le top 6 l'année prochaine, pour que je puisse goûter Vassinal top 14. Et essayer de faire. De valider la saison que j'ai faite l'année prochaine. Et après, plus, ça serait du bonheur.